Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de LK. On est toujours en live, on est toujours avec Gaelden et Alastre. Salut. Et du coup, on se relance sur une petite partie. Pourquoi tu m'ouvres ça? Casse-toi, je veux Je suis mon bien en overlay. anglais, ça? Voilà. Attends, je me suis pas planté. Oui. Non, merci, madame Ara, j'ai mon bonbon. Non, c'est bon, elle a eu son bonbon. Tout va bien. Alors, on va créer un bricoleur et on va prendre le truc qui fait qu'on gagne des vis à chaque début de tour. Tu mets pas une super tenue? Bah, le bricoleur dragon. Allez, le bricoleur dragon. Pour Chocho. Ouais, le bricoleur dragon est pas trop moche. C'est pas le pire. Le pire, c'est le mage. Le mage et le dragon, il est moche, j'avoue. Le guerrier dragon, il est pas mal. Ouais. Des petites Après, arachnides. je préfère le guerrier normal. Allez, des petites arachnides, c'est parti. Deux artefacts de départ, bah c'est la fête. Ouais. Donc là, on est en mode Bah endless, d'ailleurs, j'en hein. avais deux, je pouvais en prendre un? Oui, Attends. tu pouvais prendre les deux, ouais. Oui. Ah, je peux prendre les deux. Alors attendez, On a mode endless, donc là on n'a pas de tourment, mais en Ah fait on va purée. prendre régulièrement des équivalents de tourment. Et puis on s'arrêtera pas au 12e étage. On peut aller, comme son nom l'indique, au 100e étage peut-être. Voilà, ça peut aller très très loin. Ah, normalement, on peut aller à l'infinitième étage puisque c'est sans fin. Sans doute. C'est sans Il fin suffit de jusqu'à ce bien qu'on meure, jouer. quoi. Il suffit de bien jouer et voilà. Et s'il y a un truc qu'il ne faut pas prendre, moi, c'est ce qui m'a tué, c'est ce qui te fait piocher moins de cartes. Ah, je trouve que c'est vraiment horrible, piocher moins de cartes. C'est vraiment le plus dur. Ok, on est là-bas. Tout est. Ouh, bah ça commence fort, moi. J'ai une carte attaque. Ouh! C'est quoi ça? Utilisez toute la mana, les autres héros piochent 3 cartes pour chaque 1 de mana que vous utilisez. Ne défaussez pas vos cartes à la fin du tour. Ok, intéressant. Je peux assommer le. Voilà, bim. Et puis. Youhou. Vous faire piocher. Moi, je peux plus rien faire. Ah merde, c'est naze, tremblote. Tremblote, c'est pas fou. Après, il y a des cartes qui te donnent des bonus si t'as Ouais. tremblote. Non, c'est compliqué de nourrir Chouchou jusqu'à ce qu'elle ait plus faim, Mazamara, je te le jure. Hein. Crois-moi, je le fais chaque jour et c'est un travail de tous les instants. Hein. Putain, c'est là que j'ai trois. Je fais un coup de pied. Tac, bim. Bon. Activer un petit prototype, y a pas un petit endroit de zone sympa là? Allez, bim. Ah, ils sont à chouille trop loin les araignées là, dommage. Ah non, mais la tremblote, c'est dans le tour en cours que ça a un impact. Donc si tu le fais à la fin, ça va? J'ai pas beaucoup joué les cartes qui faisaient trembler. Hop! Ah, il rigole pas le signal là. Bah au début ou ouais, ça va. Ok, la décharge cannibalisée, bouffe. Ouais, on va prendre ça, même si c'est un peu cher, on pourra toujours l'améliorer. Une exploration, ah oh, oui ça passe. Putain, mais Eh ce ben jeu non. c'est vraiment de la merde. Hein. Non mais je suis à zéro exploration sur Russie ce soir, quoi. Aïe aïe. Une pioche de cartes. Éblouissez les monstres avec l'intention d'attaquer dans un long et large cône. Ok, ouais. Ça me permet quoi? Ça m'embête de virer mon seul engin. Ajouter deux marques, un monstre marqué ou un monstre aléatoire, c'est bien ça. On a quoi? Piocher une carte, utiliser un carte, piocher une carte et gagner un mana. Ouais. J'aime pas trop moi les cartes qui font des marques sur des monstres aléatoires parce que, enfin, vu qu'il y a souvent plein de petits monstres, je trouve que c'est rarement efficace. Ouais, mais le truc c'est que le moment où ça tombe sur un gros monstre, t'es content quand même. Ouais. Moi j'aime bien, je trouve les marques c'est efficace. Bah, j'aime bien le sort qui met une marque sur qui tu veux, ça j'aime bien parce que. J'aime pas Je peux trop. choisir un Ah, modificateur du coup, il sans. faut choisir un modificateur, ok. Voilà, c'est ça.
toutes les attaques dirigées contre vous infligent plus 36% de dégâts. Ouais, ne prenez pas les trucs qui vous font piocher moins une carte. Piocher une carte de moins à chaque tour, ouais, effectivement. Ouais. Vous subissez un point de dégâts à chaque tour. Ah, et du coup, on peut ignorer le modificateur et ça désactive les succès. Voilà, et donc ce qui est entre parenthèses, c'est voilà, le nombre d'étages où le malus prend effet. Ok, d'accord. Sachant qu'on va en piocher tous les je sais pas combien. J'ai pas bien fait gaffe à ça. Du coup, on va prendre ils sont plutôt... pas très sympathiques les malus, hein. Des arachides. Ah non, bah... En même temps. Ah, et du coup, c'est un vote, ouais, ok, là, c'est pas chacun son malus, c'est un vote. Ah, c'est un vote ? On a tous pris le même. Ouais. On a tous pris le même, mais à la fin, ça a dit hop, bim, c'est. D'accord. C'est celui-là qui a été élu. Ça, c'est cool parce que les squelettes. Oh putain, mais il est sérieux, j'ai la même main de départ de merde que. Je peux vous faire piocher des cartes si vous voulez. Pareil. Ouais, je veux bien. Ah bah tiens, bim. Hop. Hop. Les zombies. Tac. Je peux en kick 1. Bah tiens, toi là. Tac. C'est bon. Ça fait quoi, rue du sucre? J'avais trouvé que c'est. À la lecture que c'était pas terrible. Mais... Utilisez toute la mana, les autres héros piochent une carte pour chaque une mana que vous utilisez. Ah si, alors ce qui est très très bien dans Ruée du Sucre, c'est le fait de ne pas défausser les cartes à la fin du tour. C'est ça. Ça c'est super pratique. Oui. C'est pour ça que je l'ai fait, même si ça faisait rien. Hein. Ça apportait rien de particulier. Et puis comme il reste souvent de la mana au bricoleur à la fin, en plus c'est pas trop gênant. Alors, je finis le zombie là. De l'armure. Je peux faire une belle attaque de zone. Ouais, je veux bien parce que. Hop, voilà, et je peux pas mettre d'armure du coup parce que j'ai plus de mana, j'ai pas fait gaffe. Ah, mais si ça, buter les trois squelettes qui attaquent là. Bah vas-y. Sur moi ou sur toi? Sur tu, alors tu attends peux, sur tu... le guerrier donc le guerrier voilà. C'est Alas du coup. Allez hop. Hop, très bien. J'ai pas de bouclier donc je vais éviter de faire ça. Ah dommage, il me manque juste une vis pour ça, tant pis. Non mais... Si tu peux faire piocher, je suis content. Allez, c'est cadeau. Merci. Hop. Par contre, je vous protège pas. Vous vous démerdez. Alors, lui, je vais le tuer. Il me reste quoi? Il me reste un. Bim. Ah, très bien. Ah, je prends celui qui a un pour générer de la vis. Ah merde, ah. Désolé. Bon, bah tant pis. Je prends pas celui qui a un pour générer de la vis du coup. Désolé, j'avais lancé mon attaque de zone. Je. Bah je me venge pour la peine, voilà. Ah putain, je pourrais lui... Problème réglé. Voilà. Ouais, batterie, gagner 2 coeurs. Oh. Ouais, on va prendre ça. Mm-hmm. C'est un peu effarant les cartes de merde que j'ai. Hein. convertisseur, ça s'améliore en syndiqué.
Les cartes d'attaque de chaque héros affichent plus 1 de dégâts. Excellent. C'est un peu de la merde. Ah, c'est pas mal. Je vais passer. Ouais, carrément, on va faire ça. Je vais pas prendre de récompense, quoi. Améliorer ça. Et je pense qu'on va prendre ce truc-là pour générer de la vis. Vous tentez de gagner 2 vis, 2 de plus si vous avez 0 de mana. J'ai plutôt tout utilisé un cœur pour gagner 20 parades. Ça sera bien ça. Bon, encore des petites arachnes. Des arachnodes. C'est pas les arachnides, c'est des arachnodes. Non, plutôt oui, ça. Ce sont des arachnodes. Des arachnodes, des arachnodes. Alors, quel va être mon petit cadeau? Ils sont maintenant devant les pattes avant vous. D'accord. Ah. Ok. Non, c'est ça. Pouf. Ça. Efficace le Mazamara. Toujours pas Mazamara hein, par contre. Hein, mais... Oh putain. Je peux faire gagner 4 d'armure à quelqu'un si c'est nécessaire, sinon je peux taper. Bah, du coup, c'est un Est-ce que t'as besoin que je te mette de l'armure du coup ou pas? Moi je me mets un petit 2 là pour compenser, ça me génère de la vis. Okay. Il m'explique comment ça fonctionne les engins. Oui, j'explique à Chobiti comment marche le jeu en passage, parce que en mode mais je comprends pas ce que tu fais. Bah dis-lui de regarder les VOD. Bah ouais, va regarder les VOD Chobiti. Pourquoi regarder les VOD alors que j'ai le live sous les yeux? Pourquoi regarder les VOD alors qu'elle a le live sous les yeux? Je la cite. On l'entend. Ah, vous l'entendez. Alors, y'a pas un petit truc à 1 là? Si, une arachne. Une arachne à 1. T'as un truc ah, à 2 oui. Avec une marque. Toc. Sinon. Hop. Alors, je peux faire 5 de dégâts dans un rayon là. C'est pas mal ici. 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 Plutôt ici. Voilà. Je peux vous faire piocher des cartes si vous voulez. Non, moi j'ai pas besoin. J'ai surtout besoin qu'on... Ah bah, voilà. Ça te va comme ça? Ok. Bah. Moi je peux virer du coup celui-ci. Et fin de tour. Moi j'ai pas chopé les mêmes cartes qu'Alastre tout à l'heure. Hein. J'ai mis du temps à avoir tout ça. Hein. Non mais même j'ai chopé aucun carquois ou autre. Déjà, pour l'instant. Je sais pas, je après si tu joues pas bien aussi, c'est voilà quoi. Faut... Bah, c'est oui. Important. Si tu joues pas bien. Tant de violence quoi. Mais il prend pas les bonnes cartes. Hein. Je sens la frustration du mec qui a l'habitude de jouer le... L'archer comme un gros sac. Non, bim. Non, mais c'est surtout pour l'embêter. Pff, t'inquiète, je me doute. Pour le principe. Hop. Si quelqu'un peut diminuer un peu de mon côté ou mettre une petite défense, je prends. Il y a un des mecs qui tape à 3, tu peux mettre un PV. Mais non, tiens, t'aurais attendu un tout petit peu. Il y a Kars qui suggère que tu arrêtes d'être nul, Gaelden. C'est une bonne idée. J'y penserai. Et Mazamara te signale que tu n'as pas besoin de dire son pseudo régulièrement. Il reste fidèle quoi qu'il arrive. Non, Alastre il le prend pas. Il le prend pas mal, c'est bon. Mais Mazamalastre il le prend pas mal, non.
Non, mais j'ai pas la moindre idée de pourquoi je confonds. Ah non, mais surtout que maintenant que tu le fais, moi aussi je le fais, quoi. C'est ça le pire, quoi. J'écris Alastair. Alastair, voilà, c'est marqué Alastair, exactement. Et en plus. On peut arriver à le tuer ou pas? Ah, décharge, je vais rien faire parce que c'est entoilé. Ah, ouais, merci. C'est entoilé, ouais, c'est ce que je me disais. Ah bah ceci, je peux l'assommer. Bim. Allez. Ça sert pas à grand chose, mais... Voilà. Ah, j'avais pas vu lui. Ah, je l'avais pas vu lui, c'est pas vrai. C'était caché. J'aurais pu le tuer avec mon 1 de dégâts. Caché dans un coin. Ah bah c'est clair que là on commence à sentir l'effet des artefacts et tout, hein. J'ai tellement plus de génération de vis et compagnie. C'est ouf. Petite flèche au corps à corps là. Fred Alastair. Fred Alastair. Ouhou. La trouvaille, enfin. Un petit canon d'épaule là, c'est parfait ça. Enfin une trouvaille. Bon, on va prendre des artefacts. Hein. C'est pas mal ça. Hop, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Encore des arachnades. Un squelette mage. Ouais, non. Et on va choisir un nouveau debuff. Alors. Tous les monstres et boss sont 54% plus forts. Waouh. Oh, les options désactivées, je trouve que c'est pas trop gênant. C'est parce que tu as fait une game de War Tales avec Alastair que maintenant on doit d'ailleurs continuer parce que j'ai récupéré un PC, du coup il nous associe. C'est peut-être ça. Dans sa tête, alors qu'il n'avait aucune idée que vous aviez fait une game de War Tales, il vous associe. Si, je crois même qu'en plus c'est moi qui les ai maqués. C'est moi qui leur ai. Non, je sais plus. C'est moi qui les ai maqués. C'est vrai que ça me dit quelque chose maintenant que t'en parles, je me souviens avoir vu une discussion sur le Discord à l'époque. Ouais, je sais plus. Ou non, où ils se sont maqués tout seuls, je sais plus. Vous l'avez fait en entier la partie ? Pas du tout parce qu'il a arrêté, il avait plus accès à son ordinateur. C'est pour ça qu'il dit qu'il vient de récupérer son PC là, donc vous allez pouvoir continuer. Il se prend pour Tinder. Gaël Denis se prend pour Tinder, c'est un peu ça. Tu matches, tu matches pas ? Putain, encore une grosse main moi. Intéressant, une petite piñata. Dommage, je peux pas générer de cœur. Alors, est-ce qu'on a un gros... Attendez, laissez-moi le petit truc tout seul, là. Je le tue. Merci, parfait. Là, je peux pouvoir commencer à envoyer, là. Tiens, je vais pouvoir foutre une arachnolette, par exemple. Je débute l'archer qui te fait merci. Mal, là. C'est bien urbain. Hop. Oh, je peux activer le trébuchet de table. C'est parti. Je peux repousser un emmerdeur. Tiens, je vais repousser celui-là. Ça le fera. Et la transfusion, je m'en fous. Oui, c'est Gaelden qui vous a rapproché. C'est Bao. C'est Bao. Quelle bromance. Là, il y a des attaques de zone à faire. Ouais. J'ai une au premier tour et je pense pas que je la récupérerai du coup. Bim. Petit trébuchet, il fait des attaques de zone donc. Flèche assommante. Oh oui. La puissance. Du câble, tout va bien, tout va bien. Ah, j'ai le canon d'épaule, mais j'ai pas assez de vis, dommage. Par contre, c'est un peu la dèche niveau défense là, faut avouer. Ah, je peux en assommer un, le cas échéant.
Ah, il me manque une seule vis. Est-ce que quelqu'un peut faire piocher à tout hasard? Je vais attendre un peu avant non, de jouer. Pas du tout. Du coup, vous appellerez votre premier enfant Gaelden. On est deux monsieur. C'est et trop mignon. Je sais pas si vous êtes bien au courant des choses de la nature, mais deux futurs, pas de enfants en fait. Je vais assommer ton gars à 4 à l'astre. J'ai réfléchi. Je peux rien faire donc. Celui-là. Enfin, le gars qui t'attaque à 4. Ah, le gars qui attaque à 4. Je me disais, j'en vois aucun à 4. Qu'est-ce qu'il se passe? Bon, bah, du coup, je vais cramer ça. C'est parti. Ouais, c'est générer complètement... de la vis, là. La carte trouvaille que t'avais à l'astre, elle est complètement pétée, en fait. Elle fait quoi, déjà, trouvaille? C'est ce qui ajoute une flèche assommante à ta main au début du tour. Ah oui, elle est très bien, ouais. C'est complètement pété. Mais c'est une carte améliorée, enfin c'est une amélioration du carte quoi. D'accord. Bah moi je l'ai eu direct, pour le coup. Petite araignée à 1 là. Voilà, merci. Et après je peux faire des petites attaques de zone des familles. Plein de petites attaques de zone. Tu peux terminer. Bon. Voilà. Alors moi je vais pouvoir faire ça. Je m'amuse à séparer des familles, exactement. Je suis un monstre. Un monstre! Tu te prends des dégâts de qui? De lui là? Ah merde, je voulais tuer. Quel con. Qu'est-ce que je fais? Il me reste 2 de mana. Allez, bim. Et. C'est complètement con de ma part, mais c'est ainsi. Oh, c'est trop gentil, Mazamara. Il propose d'appeler son futur enfant Gaelden et de l'adopter avec Alastair. Si sa femme est d'accord, mais après, c'est un détail qui certes a son importance. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Attention, c'est une référence musicale. Référence musicale, quoi. Je ne suis pas sûr que le signe va comprendre. Excusez-moi, mais. Hein? Ça suffit d'être désagréable. Tu peux tuer le mec hein, qui te tape ou oui. Okay. Non, je peux. Sinon, je pourrais me défendre. Deux sont chargés. Maintenant que je commence à faire quelque chose. Attention, j'ai chargé de l'engin. Là. Ça va piquer au prochain tour. 4 différents engins en même temps là. Dit comme ça, ça peut être interprété de différentes façons. Ah, j'avoue, c'est pas mal. Tu vois, hein? Tu l'interprètes comment, ça? Bah, dans sa gueule. Prems. Tac, tac. Boîte explosive. Ah. Putain, carquois ou maîtrise de l'arc. Là, il me propose carquois ou maîtrise de l'arc, quoi. Et alors, c'est bien? Ah, maîtrise de l'arc, c'est mieux, je trouve. Tu trouves que c'est mieux? Ouais, sur le long terme. Je valide. Ça te fait une flèche par tour, c'est vraiment pas mal. Hein. Mmh. Oh, le truc qui fait 20 dégâts aléatoires. Quoi ce truc là? Putain, j'ai réussi une exploration, il est incroyable ce jeu. Ouais, on va la prendre et on améliorera. Ça c'est bien par contre. Perdez 4 PV max. Dès que t'as entendu la référence musicale, t'as un petit albatar, il va le smoker du signe qui est apparu. Mais je suis totalement étanche à ça. C'est aussi pour ça qu'on t'aime. Ah, Chopitié est triste parce qu'elle l'a pas entendu. Boss pour moi. Le signe a dit c'est peut-être un détail pour vous et moi j'ai répondu mais pour moi ça veut dire beaucoup. Quand je pense que je me retiens de faire des références musicales quand j'en ai une pour éviter une démission massive des viewers. Il y aurait une VOD des chouchou. Ah, ça taille. Alors, on a quoi? Le skate berserk et le faucheux malfaisant. Qui c'est qui s'excite sur toute la map, là? C'est moi, j'ai le truc qui fait 20 dégâts, mais du coup, je me suis pris des dégâts de pourriture. Ah bah, c'est pour ça que je l'ai pas pris, ouais, moi.
J'avoue. Ces machins volants là, c'est des facochères volants. Des fameux facochères volants, enfin. Alors, si j'arrivais à générer une vis, il faudrait un truc à un de dégâts. Oui, toi. Voilà. C'est dommage que t'aies pas fait sur celui qui était en train de me taper, mais je dis ça, je dis rien, mais j'en pense pas moi. Parce qu'ils sont pas assez proches, je peux pas les toucher. Oh. Non, ils sont juste trop loin. C'est naze. C'est con, hein. Ah oui, en plus il se fait buffer par le... bon, je vais l'assommer. Allez. Ok, on va générer du cœur. Ah merde. Tu veux que je te fasse piocher? Ah non, l'arachnode corrompu m'attaque aussi. J'avais pas vu ça. Ah oui, j'avoue. Est-ce que j'ai des trucs utiles? Pas trop, malheureusement. C'est con, parce que je pouvais me protéger de 3. Bon, c'est con. Mais c'est gentil. C'est vraiment dommage, parce que du coup, j'ai perdu ma trouvaille. Ah, j'ai gagné 3 de parade, je sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il a fait? On donne 3 de parade à tous les héros si on ne veut pas utiliser attaque ce tour-ci. C'est ça, c'est toi qui l'as pris. Ah bah c'est ça, c'est moi qui l'ai mis. C'est exactement ce que je voulais faire. C'était totalement prévu. Là aussi il y a une référence, mais qui est moins... Allez, c'est parti pour la production. Et j'ai récupéré toutes les merdes. Toutes les merdes. Arrête un peu de te plaindre. Bah j'ai le boss et... Ouais, enfin c'est moi qui prends 12 de dégâts pendant ce temps-là, donc... Bah c'est-à-dire qu'il y a du ménage qui vient d'être fait par Alastra. Oui, je viens de faire un peu de ménage sur plein de petits mobs, mais malheureusement, j'ai pas de carte de défense, tourci. Ah putain, la vache, qu'est-ce que je peux faire? J'ai 2 vis. Alors, celui à 7, celui à 7, tu peux facilement le tuer. Hein. Mais attends, celui à 7, il va mourir. Parce qu'il va d'abord se faire buffer. Ah, celui à 7, il meurt. Ouais, je pense. Il y a des chances, que, ouais. Regarde, en fait, c'est les 12 points de dégâts qu'il prend, c'est 5 du Templier et 7 de celui qui a 2 PV. Donc s'il y en a un tué, c'est celui à 2 PV, ce que je peux faire. Ce que je peux faire. Bon, je peux déjà générer un petit peu de vis pour commencer. Donc... La question, c'est moi, comment est-ce que je me protège aussi? Je peux vous faire piocher éventuellement, hein, parce que j'ai pas grand chose malheureusement de faisable. Alors à la limite, je veux bien. Des fois que faire, ça. Une petite attaque, un des petits dégâts de zone, mais est-ce que c'est. Alors vraiment si tu veux, sur lui, il suffit que tu lui fasses un point de dégâts. Hein. Ouais, mais je peux faire 2, donc je vais le faire, ça sera fait, et après je vous fais piocher. Okay. Ah, le petit bim, lui, il est bien là. Voilà, moi ça me protège. Alors du coup, sauf que lui il a 12 PV. Alors sinon je lui mets la marque sur lui. T'as encore de l'attaque à l'astre ou pas? J'ai une petite épée. Bon. J'ai transféré la marque sur lui. Voilà, j'ai plus rien. 4. Il va lui rester 1 PV. Ouais bah c'est comme ça. Et souhaité solé. C'est pas grave, c'est la vie, hein. Les 36%, il faut bien qu'ils traversent à partir d'un moment. Hein. Bon, je me fais un petit truc tout seul, là, avec un PV. Hop, pour générer de la vis. Ça, ensuite on active ça. Putain, c'est la 18 là. Active ça. Ah, oh, c'est bien ça. Il y a un petit truc à 3 en bas. Ouais, mais. Ouais, il attaque aussi l'archer là. Ah, mais il a la marque. Bon, bah, ok. Il fait 5. Voilà, vu que je joue le guerrier, je joue plus de la défense que de l'attaque donc. J'essaye de mettre des trucs de protection. J'ai un coup de pied que j'ai même pas pu jouer, quoi.
commencé à s'énerver le berserker là. Ah, dommage la pourriture d'attaque. Ah putain l'enculé. Ah je peux la sauver, c'est bon. Ouh. Ça c'est bon. La flèche assommante c'est vraiment abusé. Hein. Bon. C'est effectivement plutôt sympathique. Je vais piocher un peu. Okay. T'es mauvais Jack. Ah j'ai pas compris Maza. Je pense que c'était une référence parce que t'as peut-être pas réussi à tuer le truc qui était à mon contact là. Ah ouais, alors là non. Mais effectivement, les références, autant les références musicales en général ça passe, mais c'est vrai que les références cinématographiques c'est pas ouf chez moi. Oh merde. J'avais pas vu qu'elle avait. T'avais pas eu la pourriture. Ouais. Centre-toi un peu là, tu commences à souffrir là. Putain, t'es redescendu à 26 PV max en plus. Oui, c'est que bah, j'ai pris le taille crayon qui est quand même en fait plutôt sympa. Ça c'est sympa aussi. Alors, un tri rapide. C'est cool pour un truc gratos. Déplacer le premier joint à la dernière position, ouais, cette carte dans votre main. Ok. Ah si j'ai plus un dégât en zone éloignée. Non, je vais prendre ça. Ah mais il y a le truc pour filer une gemme à tout le monde, c'est cool. Ouais. Pourquoi je peux pas le prendre? Parce que c'est le truc qui a été désactivé. C'est pas de bol. Ah le salaud. Je suis sûr qu'il bluffe. Il veut pas nous aider le bâtard. Il veut pas nous aider. Le fumier. J'ai eu le petit chat aussi. Est-ce que vous avez besoin de vous soigner là? On me propose un camp dans le. Je suis à 24 sur 26. Ok. 27 sur 30 pour le signe. Ouais. C'est pas. Alors, nouveau modificateur sans fin. Une carte aléatoire en main coûte un point de mana de plus à chaque tour. Tous les dégâts à plus de 60%. Bon, en plus, ça dure moins longtemps. Enfin, après, ça dure moins longtemps, mais quand celui-là il sera fini, on en aura un autre. Hein, donc... Ah oui, oui. Bah oui, mais ça évite de les cumuler en fait. Ok. Je sais pas. Parce que le une carte qui coûte un point de mana en plus, ça peut être chiant aussi. Ouais, c'est. Ouais, c'est pas foutre dans la merde. Ouais. T'essaierais bien les références littéraires, mais on n'a pas le même style au vu du Discord. Ah bah écoute, c'est sûr que si tu fais des références sur Proust ou sur de la poésie, ça sera peut-être pas. C'est sur Martine. Peut-être que ça peut passer. Cadavre vorace. Chaque fois que ce monstre est touché, tous les zombies gagnent un point de force. Oh, sympathique. Sauf qu'il n'y a pas d'autres zombies. Si, il y a une arachnote corrompue là, qui est considérée comme un zombie peut-être. Ah, je peux me soigner. C'est plutôt une araignée, donc j'aurais dit non, mais... Je sais pas, ouais, elle a de la pourriture, donc difficile d'être sûr. On peut attaquer le boss pour savoir. Je pense, à mon avis, c'est le cas. T'es très fantastique pur. Oui, je pense que c'est le cas, ouais. T'es très fantastique pur ou Eric Fantasy? Bah, si, c'est plutôt le style quand même. Normalement, ça passe. Tiens. Bon, je fais pas d'attaque, mais du coup, on aura tous de la prot en plus. Ouais, moi je vais freeze mes cartes. Mais... Ah merde, putain, tu m'as de nouveau fait perdre la trouvaille. Bah, ouais, je suis désolé. J'espérais pouvoir générer un truc, mais non. Du coup. Ah bah voilà, ils sont là tes zombies. Oui, c'est ça, d'accord. C'est qui les invoque.
Bon, ça serait bien de pouvoir faire un peu de trucs de zone là. Gaffe aux malédictions générées par les fantômes. Ah, moi je peux faire de la zone. Très clairement, je peux faire. Oh putain, le boss! Et je peux pas le kick. Ah ouais, il fait 10 à tout le monde. Le seul qui survit, quoi. Bon, faut réfléchir là. Putain, c'est la merde. Si je vous fais piocher, ça peut vous aider? Peut-être, bah, si j'arrive à avoir le kick, typiquement, ça leur poussera. Gagné. Ouais, là je peux faire des dégâts de zone. Le problème c'est qu'il y a la saloperie de diablotin là. Alors moi je peux faire. Ouais, je vais prendre cher si je fais ça. Ah, laisse-moi deviner. Ah putain, il a pourriture en plus le boss. Est-ce que vous pouvez. Est-ce que vous pouvez mettre de l'armure ou pas? Ah, moi, oui, je peux. J'ai encore 2 d'armure à filer à quelqu'un. C'est tout ce que je peux faire. C'est tout ce que tu peux faire. Ouais, moi je peux en prendre 2 aussi. Bon. Moi je peux faire du 2 dégâts de zone, enfin 3 dégâts de zone sur une zone. Ça peut peut-être suffire. Non, moi je fais 2, donc ça suffit pas pour finir tous les fantômes en gros là. En plus, on va tuer le diablotin, il va nous faire chier. Bon, après, il fait un de dégâts. Hein, c'est il bon fait pire. Que 1. C'est... Ouais, c'est un peu la merde. Hein. Alors, sinon, j'ai pas joué d'attaque. Donc, si je me mets 2 ronds d'âche, je vais mettre 3 d'armure à tout le monde. C'est pas mal. Hein. Mais du coup, je fais 0 de dégâts. Et ça sera pas tout à fait suffisant. Je vais me débarrasser de celui-là déjà. Ça fera. Alors pour moi, ça sera suffisant. Ouais, bah moi je prends de cher, mais c'est pas grave. Ouais, je peux plus faire ça du coup. Bon, ça va picoter. C'est con, ça m'aurait plu de faire ça. Ouais, l'objectif c'est quand même d'essayer de se défendre un peu. Normalement, je lui donne 3 de plus. J'espère que j'ai fait le bon calcul. Oui, c'est bon. Bon, du coup, je vais être le seul à prendre des dégâts, ça va. Mais c'est un peu reculé pour mieux sauter, ceci dit. Hein. Mais je pense que la prochaine fois, je vais rejouer l'archer, hein, parce qu'il me semble que je l'ai joué un peu mieux. Hein. Bon. Non, je vais pas faire de commentaires. Voilà. Ah oh, putain, la malédiction dès le début du tour, ouais. Quoi. Pas cool ça. C'est pas cool. Je prends 28. Du coup, je peux vous faire piocher si vous voulez. Histoire d'aider un peu. Moi, ouais, je veux surtout bien vivre si c'est possible. Voilà, j'ai tout donné là. À vous de vous débrouiller. Ah, c'est clair que le 60% de dégâts en plus, on le sent. Hein. Putain. Les chiffres là, c'est pas les mêmes. Hein. Bah, c'est surtout qu'on n'arrive pas à les tomber quoi. Mm. Lui, je peux le terminer. C'est toujours ça de pas pris. C'est quoi, c'est... Les cartes violettes. Parce que là encore, je peux de nouveau mettre 3 de def à tout le monde, le cas échéant, mais... Bah, ça suffirait, du coup... Toi, tu serais protégé, et après, il faudrait que éventuellement un lastre en fasse 5 de dégâts pour en buter un. Là. Non, j'ai plus rien. Moi. Et t'as pas récupéré du coup ton carquois qui file la flèche assommante là? Eh ben non, puisque le signe me l'a fait perdre, en tout cas, en quelque sorte. Ah, d'accord. Précédemment, c'est-à-dire qu'il m'a fait piocher quand j'avais plus de mana. Ah, okay. Et il est sorti à ce moment-là. Les grands mots quoi. Et là il y a de nouveau le boss qui va nous défoncer. Ah, je les diminue petit à petit avec mes engins mais
bah, je peux le rebump. Putain, du coup, je fais 0 de dégâts. Ah putain, là, tu prends 25, quoi. Attends, là, je peux en assommer un. Et j'ai toujours pas... Non, non, tu vas pas crever, mais... Je peux soit vous faire piocher 2 cartes, soit me mettre dans l'armure. Putain, mais moi, je prends cher. Ah, je fais 0, c'est ce que je craignais. Attends, moi je peux... Je peux éliminer ces deux-là, ouais. Je peux éliminer celui-là. Je peux faire 4 de dégâts de zone dans le tas d'Alastre, là. Ah, bah là, voilà la trouvaille. Allez, c'est toujours ça de prix. On va dire. Bah, du coup, je suis vivant. Par contre, je fais plus du tout de dégâts, hein, mais bon. Ouais, bah, le mode Endless, il finit vite, en fait, hein. Vu comme ça, ça pique un peu. Écoute, ouais. C'est quoi mes options là? J'ai 2 flèches serres qui font 3 de dégâts. Putain. Donc, je peux buter une unité à 6. Je peux peut-être buter cette araignée là. Ouais. J'ai un beam, donc je peux te stun, je peux en stun un qui t'attaque. Mais c'est le signe aussi qui prend super cher. Ah mais Alastre il est dans le mal, hein. Moi j'ai en plus une transfusion quelque part dans mon deck au pire, donc... Ça c'est fait, et j'ai plus de mana. Ouais, il me reste un de mana mais je peux rien en faire malheureusement. Le boss, alors, le truc c'est que le boss, quand j'aurai la possibilité de l'attaquer, avec toutes les marques qu'il a sur la gueule, il va crever en un coup, mais... Ça va, j'arrive, avec mes engins, j'arrive quand même à générer un peu de dégâts par tour, quoi, mais... Ça y est, une flèche à semente. Une transfusion, ah, putain, j'ai tellement de malédiction que je fais 0 de dégâts, quoi. Quel enfer. Merde, pourriture. Je peux bump le diablotin. Je peux vous faire piocher. Bah d'ailleurs je peux faire que ça, donc go. Alors, je vais me coller une rondage. T'es surtout sur du David Gemmell, du Marcus Hayes ou du Villian Fortune. Très là, bon, David Gemmell c'est le seul que je connais en Utah, j'aime beaucoup. Attention, la pourriture, ouais. Si tes flèches font 3, ouais, là tu vas te suicider là. Ah non, tu ouais, tu prends quand même des dégâts. Mais je prends quand même des dégâts. Non, parce que là je lui fais 3 d'un coup. Pas mal. Là... Je te remercie. Lui, pas suffisant pour le tuer. C'est fini. Le signe. Ah pardon, j'avais pas... Pas pour moi. Bon, par contre, avec toutes les malédictions que je me prends, je fais 0 dégâts pendant le tour. Mais... Ouais, c'est ça. Pas tout à voir. Bon, hein. Je termine le... Hop. Attends, non, là je me prends des dégâts de pourriture, donc je vais éviter. Putain, j'ai pas de défense possible. Mais lance ta flèche à semente entre les deux là. Ouais, non, mais je voulais terminer le diablotin et. Mais oui. Bon, le diablotin. Le touille. Attends, je vais. Ouais, je fais 3 de dégâts. Est-ce que je peux faire mieux du coup? Mon point de mana. Je peux faire ah, ça, deux... ça fait 4. J'ai pas pensé, je peux vous faire piocher. Ah. Je peux finir celui-là, je fais 1 de dégâts. Une préférence pour la saga des nains. Je crois pas qu'on en ait, non. Ah merde, j'ai encore ça.
J'ai encore un point de mana. C'est qui a de la marque là? Je peux faire 4 sur lui, ouais. C'est le... l'araignée, l'arachnote corrompu. Attends, elle fait combien de dégâts? Renvoie un point de dégâts. Ok, donc vu que j'ai un point d'armure, c'est parfait. Voilà. Oui, c'est ça, juste entamer son bouclier. Ouais, bah écoute, hein, on fait ce qu'on peut. Je te trouve désagréable. Oui. Tu vois son bouclier là? Ouais, mais tu t'es repris en point de dégâts. Ah là là, t'es désagréable. Hein. Ouais. Comme ça, moi. Deux flèches mécaniques, c'est plutôt pas mal, ça. Boum. Mmh. Alors, qu'est-ce que tu me proposes? Une gemme que je sais, une carte récompense. Parfait ça. 3 PV de gagner après chaque combat auquel on survit. C'est un bon truc en anglais ça. Concentration. Ouais, je récupère jusqu'à 66% de mes PV si je finis avec 33% ou moins. Ça c'est pété. Gagnez une gemme quand vous choisissez une carte en récompense. Vous ne pouvez plus ignorer les cartes en récompense. Mmh. Sympa. C'est pas mal. C'est balèze. Bah, ça te fait gagner une gemme de plus par tour, globalement. Alors, des spectres minuscules ou des fantômes démons. Puis les trucs pour se soigner, ça peut être bien, en fait. Est-ce qu'on s'arrêterait pas là, sur signe? On peut, ça fait 47 minutes d'épisode. Ouais. Si vous voulez vous faire un autre niveau, si vous voulez vous arrêter, 23h. Bon, bah, on vient de se faire deux boss. Ouais, dans ce cas-là, on s'arrête là pour cet épisode. Et du coup, probablement pour le live, mais d'abord l'épisode, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à dire ce que vous en avez pensé. On se dit à très vite pour la suite. Ciao, ciao tout le monde. Merci tout le monde. Salut.